Commandant. Ah, oh! Yeah! Hop! Et qualités respectives du protocole observé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, avait procédé à l'ouverture de la journée porte ouverte sous le thème lié armée nation. C'était le 17 mai 2022 en ces lieux. Aujourd'hui, ce vendredi, le 20 mai, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo va clôturer cette journée porte ouverte. Et voici le programme. Allocution et mot de clôture pour le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis deux, ça sera les cocktails. Plus rien à vos ordres. Le protocole invite respectueusement le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot d'allocution qui sera suivi de la clôture au général. Messieurs les officiers généraux supérieurs, subalternes, sous-officiers, caporaux, soldats et matelots des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est un honneur pour moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous présenter au nom de la grande famille des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, nos sincères remerciements pour vos accompagnements tout au long des activités de la journée porte ouverte organisé à l'occasion de la journée des forces armées de la République démocratique du Congo, le 17 mai 2022, placé sous le thème armée-nation. Il va de soi que sans l'appui et l'assistance bénéficiée de votre part, cet événement n'aurait point vu le jour et une fois de plus, merci. Aussi, nous rendons un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo en guise de notre reconnaissance suite à son impulsion de la transformation de l'outil de défense nationale qu'il veut toujours efficace et toujours rapproché de la population. En effet, le commandant suprême ne ménage aucun effort pour apporter à l'armée ce dont elle a besoin pour son épanouissement et sa montée en puissance. Cette transformation de l'armée sera davantage perceptible par les grandes innovations en chantier notamment. L'industrie militaire pour l'autonomie stratégique, la coopération d'épargne, la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autoprise en charge du militaire, ainsi que son accès au crédit de financement pour des micro-projets. La concrétisation de ces deux innovations permettra aux forces armées de la République démocratique du Congo de passer du statut leur conféré à tort et de travers du grand budgétivore à la grande pourvoyeuse d'emplois
et de service pour le développement de la République démocratique du Congo, sans oublier une bonne couverture sociale, gage de l'éthique et de la déontologie des cadres à travers le soutien adéquat de l'homme. Permettez-moi de m'adresser ensuite à la population qui s'est déplacée pour visiter les stands des forces armées de la République démocratique du Congo, qui par curiosité, qui par un intérêt réel, veut s'imprégner des réalités de son armée. Il faut noter que certaines de vos questions ont été une interpellation pour tous les membres des forces armées. N'hésitez pas à vous adresser directement à votre armée au lieu de débattre de ces problèmes par la voie des réseaux sociaux. Je vous exhorte à soutenir votre outil de défense, d'autant plus qu'il est l'émanation du peuple congolais que vous êtes. Le thème Armée-Nation a été une parfaite illustration. Je puis sans hésitation affirmer sincèrement que sans l'appui de la population congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sauront être efficaces et répondre aux attentes escomptées. L'armée et la population doivent être des complices et des partenaires indissociables dans la défense et la protection de cet héritage commun qu'est la République démocratique du Congo. En outre, la campagne de recrutement lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo se doit être soutenue par le peuple. Je sais cette occasion pour féliciter les membres des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont œuvré pour la réalisation et le succès de cet événement. Ils trouvent ici l'expression de ma reconnaissance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Sur ces, au nom de Son Excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, je déclare close les journées portes ouvertes pour le raffermissement des liens armée-nation. Je vous remercie. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Aligné. Mort. Gardez. Présentez les armes. Au centre, présentez. Armée. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs. Thank you.
Arme au pied, repos. Arme au pied. Rep. En pivotant par droit, gauche. Grand frère, bon. Message na yo pour la population peut offrir la mission pour la quoi accompagner yo na mandat on t'a fait yo pour la sécurité en boca la mission. Thank you.
Grand frère, bon. Message na yo pour la population peut offrir la miso pour la quoi accompagner yo na manda on t'a ma pèse yo pour la sécurité en boca la miso. Bonjour. Allez vous présenter devant nos micros et vous pouvez nous faire la résumé de cette journée de portes ouvertes que vous clôturez aujourd'hui. En fait, c'est quoi Bon, la journée qu'on a pu organiser, c'est pour montrer à nos frères et sœurs civils que nous sommes tout près d'eux. Et nous allons le montrer par des tableaux. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire pour eux, pour leur protection, pour leur sécurité. C'est ainsi que nous les avons invités de venir nous voir, enfin entrer dans nos vies, voir comment nous vivons, comment nous organisons notre vie quotidienne dans l'armée. Oui. Et la secteur féminine, comment est-ce que l'armée gère des femmes? Dans l'armée, il n'y a pas de femmes. Nous tous, nous subissons le même règlement militaire. Nous avons la même formation. Et nous sommes régis sur le même statut de militaire. Il n'y a vraiment pas de différence, mais est-il que la femme, on tient toujours compte de ses faiblesses. Voilà. Puis les statistiques militaires, la majorité, ce n'est qu'il y a des hommes et les femmes sont quand même faibles sur le plan, sur les, ce qu'on peut dire, pourcentage. Alors, à cette sensibilisation, que dites-vous à l'emploi des femmes? Je suis positive et puis je suis sûre que toutes les femmes qui ont pénétré la force aérienne, qui sont venues visiter nos stands, vont y rester et demeurer dans l'armée. Et j'ai quelques-unes, par exemple celle-ci qui a intégré aujourd'hui et s'est fait enregistrer. Et je suis contente, il y en a des milliers qui se sont fait enrôler aujourd'hui. Donc quand vous voulez parler et vous dites qu'il n'y a pas assez de femmes. La raison d'ailleurs pour laquelle il y a porte ouverte, qu'on montre à toutes les femmes qu'on a besoin d'eux. On a besoin de femmes intellectuelles, on a besoin de femmes à tous les niveaux, surtout les femmes intellectuelles, on a besoin de leur expertise dans l'armée, qui vient relever les niveaux de l'armée pour faire enfin les 50-50 que nous sommes en train de vouloir pour atteindre ce qu'on dit, le pourcentage de femmes dans l'armée, que ça soit élevé, voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut connaître vos privilégiés? C'est la détermination, la force, et puis la détermination, la force et l'endurance. Voilà. Bon, je profite de votre micro
pour faire appel à toutes les femmes qui sont encore chez eux dans la maison, qui sont dans les universités, de venir intégrer l'armée. L'armée, en fait, ce n'est pas un dépotoir. Dans l'armée, on a besoin de cette crème intellectuelle. Dans l'armée, on a besoin de des femmes qui ont un niveau, qui peuvent donner un plus. Donc, on a besoin des professeurs, on a besoin des juristes, on a besoin de médecins, on a besoin des ingénieurs. Venez, venez. Il y a celle-ci qui est officier aussi, elle est médecin. Il y a madame qui est à ma gauche, elle est juriste. Elle est auditeur au barreau de Matete. Tu vois, elles sont jeunes, hein, plus jeunes que moi. Il y a celle-ci que je vous présente qui vient d'intégrer l'armée aujourd'hui même. Donc, elle est journaliste. Donc, on a besoin des journalistes aussi. Venez faire des reportages, venez vendre l'image de l'armée. L'armée n'est pas l'image qu'on est en train de vous montrer seulement qu'il y a des gens qui sont assassinés. Non. Elle est là. Elle a pu visiter toutes les stands. Et elle est convaincue qu'elle peut faire l'armée, qu'elle peut contribuer à quelque chose. Mais elle vient contribuer maintenant dans le journalisme. Merci, mon colonel. Oui. Tu peux m'expliquer maintenant derrière où il y a des tableaux derrière? Oui. Ici, ce sont les pistes de... Les pistes d'obstacles. Donc, un militaire est capable de pouvoir sauter ces pistes. Donc, il n'y a pas d'obstacle. C'est pour ça qu'on dit, même quand il pleut, la pluie n'est pas un obstacle pour un militaire. Même s'il y a de grands caniveaux, nous pouvons toujours, à travers le génie militaire, faire un passage pour que le militaire puisse accomplir ses opérations. Même là, il ne faut pas dire que non, moi je ne peux pas arriver là, non, tout ça. Et tu dois être capable, moi aussi j'ai dû faire ça. Tu es capable de faire ça. C'est pour ça, moi, dans mon cursus, aujourd'hui, je suis commandant d'un grand bataillon qui est Force Terrestre. Donc la première femme à commander des milliers de militaires. C'est ça. Ok. Deuxième tableau. Ah. Ici, c'est la marche militaire qu'on appelle communément le défilé militaire. Dans les défilés, il y a toutes sortes d'armes. Là, il y a la police militaire. Ici, il y a le commando. Et là, c'est la force terrestre. Il y a aussi les femmes. Vous voyez. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut faire. D'accord. Et ici, dans la force terrestre, on a tous les moyens pour contraindre le bandit, le malfaiteur. Donc, s'il y a le bandit, soyez-en sûrs. Les services anti-drogue, anti-criminalité, ils sont toujours là. Même peu importe où tu es, on peut utiliser même les hélicos pour poursuivre les ennemis. Et ici, peu importe où tu te caches, dans la forêt, nous sommes capables d'aller dénicher où se trouve le malfaiteur, eux, les appréhender. Donc là, on est en train de montrer, en fait, que la force aérienne, d'où on a commencé, il y a quand même un commencement quelque part. Et ici, il y a l'officier qui est le lieutenant. Mon lieutenant, lui, il est chargé d'ordonnance. Quand on parle de l'ordonnance, il est chargé des armes et munitions. Donc, si vous avez encore quelques questions, il est là, il peut vous expliquer les différentes armes qui sont là. Allez-y. D'accord. C'est toujours lui qui est censé expliquer toutes les différentes armes. Lieutenant, tu peux leur expliquer les différentes armes qui sont là, s'il vous plaît. Assis, l'Issakaka. Ben, passe par là.